Coucou Missou, comment tu vas? Coucou Didi. Ah, le micro était super haut. Bonjour tous les deux. Je suis un peu... comment dire? Embêtée, puisque Hydromel a décidé de se coucher devant le clavier. Comment vous allez? Pauvre chaton. Il veut de l'amour, ce petit chat. Bah oui, hein. Regardez cette pauvre bête. Quel relou. Giga relou. Pauvre petit chat. Vous entendez le son du jeu, mais pas... Bon, bref. Je vais mettre le truc du jeu. Regardez, il y a la salle... C'est la salle sur demande, je crois, derrière nous. Hop, allez, on y va. Coucou Samantha, comment tu vas? T'es bien là, mon chat. Ça va être pratique pour jouer, moi je te le dis. Alors, j'ai bien épuré les quêtes, vous allez voir. En gros, il me reste ça. Voilà, donc les clés là à chercher, j'ai la flemme. Le spectre, faut aussi chercher, donc j'ai la flemme. Ça y est, il s'en va. Il est parti d'un coup en mode. Et ma cam se dézoome toute seule, c'est relou. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le truc où faut jeter des plantes sur les gens. Sauf que, bah, voilà, je l'ai pas fait. Hop là! Ça va pas du tout. Ça va très bien. Ça va très très bien. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, donc le live sera peut-être un peu moins. Moins long, mais c'est pas très grave. Tu travailles sur quoi? Hop, voilà. Donc on va aller faire bah, la suite de la quête principale. Tout simplement. Avec le balai, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ah là 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 là. Vous croyez qu'on peut tomber si j'appuie sur B? Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour... Ah, mais tu me saoules, je viens de les finir, tes tâches, Jean Guérant, là. Faut faire quoi maintenant? Invisibilité. Breuvage contre les ennemis. Ouais, bah flemme. Oh, je viens de le faire. Coucou Brézou. Un objet, mais il peut également être une arme. Bah non, c'est pas un imbus, c'est le braise balai. Balai braise, je sais plus son nom. Nyaong, c'est quand même. Loin. Oh putain, il y a des araignées en bas. Nous n'irons pas. Nous avons déjà vécu un traumatisme hier. C'est ça. C'est pour les gens qui ont un caractère de feu, soi-disant. Une plateforme de DF, d'accord. Eh ben, bon courage. Il ressemble pas trop à Rogue, hein. Le prof de potion. Mais je l'aime bien aussi. Oh, Hydromel! Ça va et toi, Brest? T'es pas obligé de crier! Je vais probablement être un peu molle aujourd'hui. Ah, attendez. On va essayer d'activer le...
Aïe. Voilà, la poudre de cheminette, là. Ah bah, c'était là, en fait. Ouf. Moi, j'allais aller je sais pas où. Par ici. Alors, n'oubliez pas que lui, c'est le méchant selon ma théorie, hein. Nous ne sommes pas seuls. D'après ce que je peux voir, il y a une dizaine de fidèles de Ranrok. Peut-être plus. Ne pourrions-nous pas transplaner à l'intérieur de la tour? Trop risqué. Nous ignorons ce que renferme cette tour. Pour ma part, je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici. Ils ont dressé le camp un peu plus loin. Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allons-y. Attends... C'est loin d'être idéal. Ouais, non, c'est... vraiment pas. Par ici. Et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion ici. J'ai appris autant plein de... prévenir tout le monde de notre arrivée. J'ai appris plein de sorts. J'ai appris à geler les ennemis. J'ai appris à les stopper, à les éjecter. Et voilà. C'est déjà bien. Mais toujours pas à l'Omora. Hein. L'Omora dans notre cul. Alors, hop là. Faisons vite. Petrificus totalus. Mais je ne l'ai pas. Petrificus totalus. Restez cachés et lancez Petrificus totalus. Mais je n'ai pas ce sort. Attendez, j'ai raté. J'ai pas ce sort, moi. Ça, c'est les sorts, voilà. Transformation. Flipendo. Descendo. Ils sont mignons, eux. Lancer Petrificus Totalus. Bah, je veux bien. C'est-à-dire que je ne l'ai pas. Je suis censé l'apprendre, je sais pas. Jamais goûté au ragoût de champignons de ma mère. Les champignons. Je comprends pas. Arresto. Bah, j'ai Arresto, mais c'est tout quoi. Je crois pas que ça soit ça, hein. Bon, on y va avec ma technique. Voilà, on va simplement foncer dans le tas. Ah là, ça dégage. Allez, venez les petits. T'as pas assez discret. Prends tes go. On dirait que tu n'y as pas d'en croire. Ouais, dégage. Tu peux avoir quelque chose. Tu ne maîtrises pas vraiment les coups. Finissons-en. Ah, tu es là. Aïe. Pas malin de revenir par ici. Allez, tu dégages. Attendez. Je vais en profiter. Voilà. Ça m'a défoncé les oreilles, je baisse mon son. Oh, dis. Utilisez Petrificus Totalus. Nye. Ah, j'ai déjà trop de potions. Mais j'ai raté un truc, je comprends pas. Monsieur, vous me l'avez pas appris ce sort. Ou alors non mais j'ai raté un truc, je comprends vraiment pas là. On est d'accord qu'il y ait dans aucun de ceux-là et il n'y a pas de scrollage. Attends. Allô, Mora, je ne l'ai pas. Ah bah il est là, tiens. Protégeo. Stupéfix. Ah, c'est là. Ah, bon, on le saura pour la prochaine fois.
Donc en gros, il faut être transparent là, enfin invisible. Hydromel. Et appuyer sur F quand on est à côté du bonhomme. Ok. Bon. La technique bourrin, ça marche bien aussi. Hein. Alors. Oh, mais il y a plein de trucs. Et j'ai plus d'argent, les gars. C'est un truc de fou. Comment je suis pauvre. Je suis tellement pauvre. Je suis tellement pauvre que je vais finir escorte, moi, je vous le dis. Je vais aller escorter Fig, là, le vieux trougne. Je sais pas, moi, je le sens pas, ce gars. Des ordres émanant de Ranrock. Ces ordres indiquent qu'il cherche quelque chose en rapport avec des noms. Quel nom? Et pourquoi ici? Et pourquoi pas? Je vais te faire souffrir. Bah, Tu as fait de ton mieux. On va se calmer. Moi, j'aimerais vous lancer une mandragore. Voilà. J'espère que j'ai réussi. Il faudra que je lance ça aussi. J'ai raté. Voilà, tiens, je te glace. Tu vas pas me faire chier. Merde, je me suis trompé de touche. Je me trompe de touche. Excusez-moi. Voilà, ça dégage. Encore? Qui en veut? Qui? Est-ce que ça a un peu validé ma quête de la meuf ou pas? Ou pas du tout? De madame, madame la prof de... Yes! Ok, j'aurais pu qu'à aller la voir. Elle va nous apprendre Wingardium Leviosa. Coucou Miss Yoko, comment tu vas? Ça, c'est une petite dédicace à Oscar. Oscar, on va apprendre les vieux saints. Les vieux saints. Si vous n'avez pas vu cette YouTube poupe, n'allez pas la voir, elle est très sale. Non, c'est un sketch, enfin, c'est un dessin animé, enfin c'est... Ouais. Bref. Finissons-en. Ah. De nombreux gobelins s'opposent depuis toujours aux sorciers. Mais cette fois, c'est différent. Ah, nous avons trouvé l'entrée, apparemment. C'est verrouillé. Bonjour! Un sortilège de déverrouillage? C'est très pratique. Ce n'est pas le moment. Mais si on ne vous l'enseigne pas très vite, nous travaillerons dessus une fois rentrés au château. Ah! Enfin, une bonne nouvelle. Il a dit qu'il allait nous apprendre à l'Omora quand on serait rentré. Bon, en vrai, je me suis spoil, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Mais on devrait l'apprendre prochainement. En fait, j'ai regardé hier soir parce que je me disais, putain, c'est pas possible, on va pas se trimballer avec des crochets à la Skyrim. Ça va me saouler. Et en fait, non, on l'apprend, mais un petit peu plus tard. Ces balais ont dû être enchantés il y a plusieurs siècles. Je n'avais jamais vu d'enchantement qui dure aussi longtemps. Oh, qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est Merlin l'enchanteur, il vous fait bouger les balais, puis c'est tout. Hein. Bienvenue dans la tour de Sanbacar. Ok. Qui me parle? Ah, c'est Jean-Gérard le portrait. Et ça lag, hein. Ça lag. Je suis à Pouce-Souffle. Les vieux saints. La tour de Sanbacar? Oui, le professeur Bacar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte, vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Non, ça va. Pas du tout, professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très inquiétant que des gobelins aient eu connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée,
un dépôt de magie ancienne semblable à ceux que vous avez déjà vus a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Dépêchez-vous, héros, le monde est entre vos mains. Puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte. Ah génial, en plus je me démerde toute seule. Bah super, hein, super. Nous devons comprendre comment les fidèles de Ranrok ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, monsieur. Je vous rejoindrai monsieur. Dans la salle de la carte. Et il se barre. Super, hein, super. Un dépôt de magie ancienne. Allez. En bas, près de l'entrée. Super. Oh, saute, au pire, tu te caches juste deux ou trois os, c'est pas très grave. Ouais, je l'ai vu, la magie ancienne, je cherche s'il y a des coffres. Voilà, on est obligé de suivre des spermatozoïdes, là, je te jure. Franchement, Harry Potter, il peut aller se brosser. Est-ce qu'on peut allumer ça? Non. Ok. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Ah, il y a un truc à casser, emballé. On va encore se battre contre des statues. La première épreuve, c'est bien, il l'indique. Est-ce qu'on va avoir le sortilège de Patronus? Ce serait trop cool. Revelio. Bon. Allez, on y va. J'ai déjà vu ça. À Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Oui, peut-être. Casse des pots. Revelio. Oui. Je fais quoi? Je saute? Gentil, bon, réparons. Revelio. Oui, ah, je suis con. Il y a des escaliers. Nieu, nieu. Impressionnant. Ça a dû changer quelque chose. Je ferais mieux de jeter un œil. Ouais. Il y a des chemins, visiblement. Ils sont là, mais ils sont invisibles. Revelio. Oh, il y a un coffre. Il n'était pas là tout à l'heure. Ah bah ouais, ok. Des coffres. Toujours plus de coffres. Ça tombe bien, je suis pauvre. Ah, on va devoir tuer des statues. Hydromel, tu es pénible. Tu veux pas aller voir papa pour des câlins? Hein? Bah oui. Bah oui. La pauvre bête.
La pauvre bête envahissante de 6 kilos. 6 kilos, tu es gros. Oui. Allez, non mais te débat pas, ça va bien se passer. Aïe aïe aïe, quel chien. J'imagine que je dois chercher des traces de magie ancienne. Mais où ? Bah là. D'autres traces de magie ancienne. Quelque chose doit être différent. Incendio! Étrangement, je n'aime plus les statues depuis un moment. Avant, j'avais rien contre. Ça ne me fait pas vraiment plaisir de les retrouver. Au moins, je sais à quoi m'attendre cette fois. Ah ! On m'avait pas manqué, dis donc. C'est bon ? Il y en a encore ? Quelqu'un en veut ? J'ai comme un air de déjà vu. Ça me fait penser au donjon de Zelda. Et ça me casse les couilles. Les énigmes, tout ça. C'est Axio qu'il fallait utiliser. Oui, Geneviève. Il arrête pas l'heure du câlin, le gros. Il en manque d'amour, là. Non, 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 conne. Mais putain! Oh, quel teubé! Qu'est-ce que
cette rafale de magie a bien pu faire. Je devrais examiner les deux côtés de l'arche. Examiner quoi ? Ok. Oh, d'autres statues. Oh putain, j'avais pas vu. Non mais oh! Il ne me facilite pas la tâche. Je sais. Calmez-vous! Bon. Réveillons. Oh putain. Mais là, vous voyez, c'est éclairé. Alors, est-ce qu'il faut allumer le feu là-bas? Je suis pas sûre. Hein. J'imagine que je dois chercher des traces de magie ancienne. Oui, on le saura, Josette. Bah là. Ouais. Comment je suis censée faire là? Bah non, ça marche pas. Est-ce que ça... Ah, ça a ouvert. Ouais. Et... Et alors? Coucou Lenny, comment tu vas? Ça faisait longtemps. Non, mais je peux pas le baisser le truc. J'ai intérêt à explorer des deux côtés de l'arche. Comment je monte? Ou alors ça a débloqué un truc par là? Je sais pas. Il faut que j'aille là-bas, j'ai bien compris. Je dois observer comment la pièce évolue quand j'entre et je sors de l'arche. Revelio. Bon, là, je suis dans l'arche. Alors, je vais en sortir. Ah, mais non, je suis con. Je dois passer dedans. Ah bah oui. Ah bah, c'est tout de suite mieux.
Heureusement qu'elle me parle, la grognasse, hein. Voilà. J'ai compris. Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont. Oui, bah j'ai compris. T'as pas besoin de me le redire, hein. Oh. Je sais pas du tout. Moi, j'ai pas relié de compte. J'ai fait une partie comme ça. Parce que sinon, j'allais finir à Gryffondor. C'est bon, quoi. D'accord. Je ne me ferai jamais à ce sol. Le sol qui bouge, ouais. Comment c'est flippant. Oh non. Y en a combien? 3? 4? Il y a 4 gros méchants là. Ça lui fait rien, un resto, hein. Finalement, le sort le plus utile, c'est celui que m'a appris Sébastien et qui est illégal, hein. On en parle ou pas? Bon, maintenant que tout est pété dans la pièce, on va pouvoir continuer. C'est quoi votre maison, du coup? Oui, je suis à Poussouffle, c'est ce que j'ai dit. En même temps, je suis en jaune. Cela dit, vous me direz... Il y a du jaune aussi chez les Gryffondor. Je suis mouru. J'ai la Poussouffle aussi, Miss Yoko, ok.
fait, ça dépend des théories pour les maisons. J'ai vu une théorie récemment, c'est-à-dire hier soir, qui dit qu'on va dans la maison selon nos convictions et non selon notre caractère. Genre, si t'es plus... Enfin, si pour toi, ta priorité dans la vie, c'est la loyauté ou l'honnêteté, bah, tu vas aller à... Et comment je fais maintenant? Je me suis enfermée, je suis trop con. Tu vas à Poussouf, tu vois. Alors que... si ta priorité... C'est l'ingéniosité, enfin que tu prônes plus ces valeurs-là, tu iras à Serpentard, etc. Oh, ça va me saouler cette énigme à la con là. Non! Oh putain de pute! Super. Voilà. Ah bah c'est pratique, tiens. C'est le moment où on a envie de crever ou ça se passe comment? C'est... Ta mère... Le string à roulette. Eh bah, on va y arriver, hein. Encore longue cette épreuve de Merlin là, c'est pas Merlin mais c'est pas grave. Des épreuves de merde, Percival, surtout pour qu'au final, quand on va arriver, le gobelin va se pointer en mode eh, tu étais là, je viens te tuer. Eh. Je suis retournée au début. J'avoue que c'est pas mal qu'on voit pas la chute parce que les trucs où tu tombes là. Ok. Ça, je le sens pas. Allez, on court. On court, j'ai dit! Mais cours plus vite! Oh, ça sent le boss final des internets là. Ah bah oui. Je n'aime pas du tout. Oh, oh le galette! Tu meurs. Voilà. Va me faire chier. Aïe, je l'ai pas vu. Aucune idée, Braise. Hein?
Au secours! Au secours! J'ai pas payé pour jouer à Dark Souls! Aïe! Putain, ma super attaque de la mort, ça lui fait R! Ah oui, mais ils mettent un arme dans mon chemin, là. J'ai plus de vie. Au secours. Normal ou en difficile, au secours. Mais j'ai appuyé sur contrôle, sus, t'es mort. Vite! Je me trompe de touche en plus, c'est horrible. Quel soulagement. J'ai 15 ans. J'ai pas fait de magie. Mais tout va bien. Ah oui, je l'ai vu qu'après il fallait détruire l'orbe, mais quand je l'ai vu, il n'y avait plus d'orbe, alors... Oh bah tant pis. Hein. On va pas pleurer. Déjà, j'ai réussi cette... Mais putain d'escalier de mes couilles, là. Réveillon. Une autre pancine. Râle cul les pancines. Allez, c'est parti. Mais je suis pas énervée. Oh, il pleure. Bah chiale, tu pisseras moins. Je suis tendue, c'est pas vrai. Oui, je vais faire cette blague à chaque fois.
Ah, c'est la grognasse, je suis sûre qu'elle va être méchante. Oui. Votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable. Qu'y a-t-il ? Mon père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère. Ouin ouin. Il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir. Ça remonte à des années. Mais la douleur de l'avoir perdu est toujours aussi grande, comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Peut-être puis-je l'aider, professeur. Vous en faites déjà tellement pour votre père. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il arrête. Ah oui, bah écoute, ma grande, c'est pas à toi de faire son deuil à sa place. Hein. D'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique. Mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister. Même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraînerait leur manipulation. Alors quoi, je dois me contenter de regarder mon père se consumer à petit feu ? Bah écoute, il est pas capable de voir qu'il a aussi une fille qui lui reste au bout d'un moment. Elle va pas écouter, comme d'habitude. De toute façon, les gens écoutent jamais les conseils. Si tu dis de pas jouer avec les émotions, c'est qu'il faut pas jouer avec les émotions. Je vois quelque chose d'encore plus fou et improbable dans ces feuilles de thé. Oh, Miss Morganac, de retour à Poudlard. Bienvenue, professeur. Il va falloir que je m'habitue à cela. Professeur Rockwood. C'est un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal. Venez, asseyez-vous, parlez-moi de vos voyages. En fait, j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir. Pour J'ai vous tuer. Beaucoup de choses à vous raconter. Pardon. Cela me ravirait. Nous préviendrons les autres. Très bien. Nous nous verrons là-bas. Je le sens pas, je la sens pas. Elle est forcément passée du côté autre souvenir. Maintenant, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Elle est forcément passée du secret. Mais tais-toi, je parle. Mais je sais, c'est bon. Oh, c'est indiqué, je suis pas myope. Enfin, si, mais pas à ce point. Qu'est-ce que je disais? Elle est forcément devenue méchante, sinon on n'en entendrait pas autant parler. Puis en plus, ils veulent qu'on la prenne en pitié, genre « Ah, mais je vais aider mon père !» Mais ça s'aide pas, malheureusement. Il n'y a que lui qui peut avancer, hein. La culpabilité qui sert à rien, là, ça va. Coucou, je suis revenue. Ah tiens, voilà Peter Petit Gros. Qu'avons-nous là? Pas du tout. J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood, à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve? En effet, professeur Rockwood. Oui, on l'a vu dans la pancine. Nous vous avons vu dans la pancine, à Gringotts, avec le professeur Rackham. Tout à fait. Alors, vous avez trouvé le porte-loin pour accéder au caveau du professeur Rackham, et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pancine. Vous allez résumer tout ce qu'on a fait, là, parce qu'on l'a fait hier, donc c'est bon. Identifié au-dessus de la dernière pancine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de Sanbacar. Ouais, je m'appelle Lupina, pas l'élève. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. Ah bon, il défonce. J'ai bien peur que nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Oh, comme par hasard. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent... Dites, professeur, ce nom Rockwood... Vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor? Peut-être.
mais nous ne pouvons pas... on peut toujours lui demander. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pensée. Non, je veux rien te dire. Mais arrête de lui dire ! N'enseigne à Poudlard. Elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Espérons que la prochaine pensée nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ranrok. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. Je connais peut-être quelqu'un. Oh non, mais foutez-moi la paix, je veux juste être élève à Poudlard, moi. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas... Mes devoirs, oui, monsieur. Ah bah on le saura, hein. Avant que vous ne partiez. Oui. Oui, Charles ? Professeur ? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillon dans le monde, en dehors de celles que nous avons croisées ? Pas que je sache. De quoi s'agit-il ? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'œil. Ouais, c'est long tout le monde. C'est quand qu'on... Merde, j'ai pas eu le temps de faire un screen. C'est quand qu'on a nos cours de défense, enfin d'animaux là, parce qu'on a toujours pas de pet. Hein. Je veux un pet, moi. Tous mes devoirs sont finis. J'ai un point de talent. Bon, il y a encore personne dans cette salle commune. C'est bien triste. C'est vraiment pas ma préférée. Je devrais interroger Sirona aux trois balles. Incroyable nouvelle, une amélioration de balai est disponible. Ah, enfin une bonne nouvelle. J'aimerais que vous veniez me voir dès que possible à propos d'une affaire pressante et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. C'est qui celui-là? PTDR, c'est qui? On a le mec du balai, là. Ah! Enfin! Les créatures magiques! Il y a ça en quête secondaire pour le moment. Après... Je me tâte. On va avoir Alomora si on fait cette quête. Qu'est-ce qu'on fait? Les créatures magiques? Ou Alomora? Bon, ça durera peut-être moins longtemps, les créatures magiques. Par contre, je suis navrée, mais il faut que j'aille aux toilettes. Donc, je vous laisse choisir pendant ce temps-là. S'il y a un modo qui veut bien faire le sondage, s'il vous plaît, entre créatures magiques et Alomora, et puis je reviens.
heureux, les enfants. Excusez-moi pour l'attente. J'ai mal au bidou. Je vais vous épargner les détails. Bisous, Miss Yoko. Merci d'être venu. Heureusement que t'étais là, Didi, parce que les modos sont pas réveillés, hein. Bon, bah écoutez, on va partir sur les animaux. Je vais quand même... SMS Oscar. Bon, il fait une sieste, mais bon. Si jamais il veut venir... Allez, hop, envoyer, c'est pesé. Et au pire, il verra la rediff. Non mais c'est pas grave, le sondage est là. Donc vous êtes pour les animaux. Bah écoutez, on va faire les animaux, c'est pas un problème. Par contre, juste avant, j'aimerais qu'on aille chercher l'amélioration de machin là. Et encore juste avant, on va aller sur la salle sur demande que je vous montre Retrouvez-moi que j'ai fait. Après les cours lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'ai oh là là. Des scènes d'eau qui permet de faire descendre des objets au sol. Ça c'est bien ça. Donc voilà ma salle appart sur demande. J'ai décidé de la décorer comme ça. Ici, il n'y a absolument rien. Mais c'est pas grave. Là, une petite statue de hibou. Et par ici, un petit coin salon. Et le coin des choses à faire. Donc, deux trucs de potions. Ça, on va identifier les trucs. Voilà. Et voilà. Je vais m'habiller. Ben, en fait, si tu veux, j'avais une envie pressante, donc j'avais autre chose à faire que crier. Mais c'est pas grave, Didi a entendu. C'est le principal. Non ? C'est-à-dire que ça a urgé un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas vous faire un dessin, mais bon. J'avais mal au bide, quoi. Oh mon dieu. Oh, 51. En plus, il est beau, le chapeau. Grave stylé. Bon, mais ça va pas trop avec la tenue, mais bon. Hop. J'adore ce vêtement. Et on va aller à Préolard. Oui, oui, ça va mieux. Vous en faites pas. Bah, moi aussi, j'ai entendu d'abord. Bah, y a pas de lit, malheureusement. Qu'il existe plus accueillant que Préolard. Tu vas le dire à chaque fois qu'on vient, Ernestine, parce que ça devient lourd. Hein. Ah. Si il y a les saisons, c'est trop bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir de la neige. Ravi de vous revoir. Rébellion. Je vous offre une belle réduction sur cette amélioration de balai. J'apprécie beaucoup votre aide. Bah, il y a intérêt parce que j'ai pas de thunes, alors... Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Ça coûte combien? Ah, j'ai pas assez. Bon, avec un peu de chance.
Ouf, on a juste assez. Ce balai sera votre bonheur, je vous le garantis. Alors, merci, comment ça marche? J'espère. Je dois vous dire, la moitié de Préolard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris deux fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration. Plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces? Bien sûr. Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Vous voulez bien y réfléchir? Bien sûr qu'on va faire ça. J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre. Moi, il est sympa. Merci. Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Il est très gentil. Alors attends. Plus vite. Nous allons faire 10... Ah, du coup, c'est bon. Mon balai est bien amélioré. Est-ce qu'on fait d'abord le truc de balai? Ça vous dit? On y va vite fait. J'ai envie en de voler. On va faire la course alors. Allez, on fait ça et après on va faire notre petit cours de voilà. De créatures magiques. C'est très loin. Très très loin. C'est vrai qu'il s'appelle Swiffer. Allez Swiffer. Swiffer, arrête de swiffer. Ça n'a pas l'air de beaucoup bouger, hein. Attendez, pendant qu'on est là, on va casser les ballons. Merde. Raté. Et voilà, ça donne de l'XP. Vous voulez bourrer? Mais non, je ne veux pas bourrer. Et j'ai vu qu'un verre d'abord. Vous voyez le vase derrière moi? C'est le verre. N'est-ce pas? Tiens, il y a un truc de Merlin en bas. On n'a pas le temps! Il y a plein de trucs. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Gal ronfle derrière moi. Voilà. Ah bah c'est pratique. Dommage, ton heure a sonné. Mais calmez-vous, Jean-Edouard, là. Monsieur Wicks n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes. Oh,
la personne la plus rapide de Pouf Souffle. En même temps, si les autres sont nuls, c'est pas dur, quoi. Bonjour. Bonjour, Imelda. Tu as une autre épreuve à me proposer? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve. Et tu as intérêt à y participer. D'accord. Ça veut dire que tu as changé d'avis à mon sujet? Disons que tu es un cran au-dessus des bons à rien qui me défient d'habitude. Les heures qu'ils perdent à souhaiter me battre, moi, je les passe sur le terrain, à m'entraîner. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon niveau. Mais moi, je m'en bats les couilles des records. Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non? Oui. Allons-y. Que la course commence. Enfin, un défi digne de ce nom. J'ai réussi. J'adore cette sensation. Descends. En fait, les boules jaunes, c'est pour récupérer l'énergie, mais je trouve déjà que je vais trop vite. Heureusement. C'était acceptable. Ça va méga vite et je suis en chute de FPS, c'est insupportable. J'adore cette sensation. Oui, bah descends quand je te dis de descendre. Déjà vous. Incroyable. C'est quand même mieux quand ça lag pas. Hein. Enfin, ça lag quand même, mais bref. Alors, est-ce que j'ai réussi? Tu as progressé, je dois l'admettre. C'était une très belle course. Fais attention. Si certains apprennent que tu as du talent, ça risque de les énerver. On dirait que tu parles en connaissance de cause? Oui, exactement. Bref, finalement, tu n'étais pas si horrible, je dois l'avouer. Mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud. Tu as dit que ton talent énervait certaines personnes. Qui les gens sont des rageux. Si tu veux tout savoir, j'ai subi la jalousie des membres de ma propre maison. Ah bah super. Quand nous étions en première année, Nerida Roberts et moi passions beaucoup de temps sur nos balais. Nous nous étions jurés de voler tous les jours. Et alors que je m'améliorais, rapidement je dois dire, Nerida n'a soudainement plus trouvé le temps de m'accompagner. Mm-hmm. J'ai essayé de lui donner des conseils, mais elle n'avait pas mon talent naturel. Clairement, elle était jalouse. La Marie pauvre, pas elle, hein. Elle reste à flâner au bord du lac maintenant, obsédée par les êtres de l'eau. Elle n'apprend même pas. Ah, c'est elle. Je refuse de minimiser mes talents pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre. Bref, je dois préparer le prochain parcours. Passe me voir quand il sera prêt, si c'est dans tes cordes. Ok. C'est on elle à qui on a récupéré l'astrolabe, là. Je m'attendais à ce que tu abandonnes. Que tu te reposes sur tes lauriers. Bah on se voit à l'épreuve sur la côte sud, si tu ne te dégonfles pas. Mais non, je vais pas me dégonfler. Pour refaire ce parcours, va voir le classement au niveau du podium. Non, ça ira, une fois ça suffit.
Déjà, j'ai réussi une fois, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on verra plus tard. La course est consulter ton temps. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Elle se la pète, mais en vrai, je pense qu'elle a été blessée, que sa pote l'abandonne. Par jalousie, du coup, bah, elle se protège, vous tu vois, mais... Je veux toutes vos impressions. Elle s'y prend un peu comme une merde. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Irondale. Excellent! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse. Et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravie de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Il est trop chou. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrai bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Bisous Lenny, merci beaucoup encore, d'être passé. Sincèrement. Bon allez, hop. Non, ça on s'en fout. On va faire les animaux. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, un dodo de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Les dodos dans l'art qui finissent mal. Hein. Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour ça doit être elle, Poppy, là. Oui, professeur Owen. Bah voilà. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter, parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Non. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Il a changé, Gérald. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Gérald. Gérald de Rive. Chut, ce qu'on pas la ref, c'est le perso principal de The Witcher et bon bah du coup c'est drôle quoi. Oh. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Oh, pauvre. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Mmh. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting,
Voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici. Les flaireurs se trouvent juste là. Les flaireurs. Ça, c'est le truc qui te renifle le cul alors que tu ne demandes rien. Ah, les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Qu'est-ce que tu vas faire, pardon? Mais... Ah, quelle sale bête! Mais ça va pas, non? Attaque le chat! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. Toi, je vais te défoncer. Ah, on y va. Mon pauvre machin moche. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald? Oui, oui, on y va. Tiens. Et toi? Voilà. Pas de jaloux. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Non, ils sont trop mignons. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Mais j'ai pas brossé tous les flaireurs. Votre nouvelle recrue. Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Trop mignon. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Ils sont trop beaux. On va tout brosser. Oui, madame? Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? Trop court? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être. Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la mainmise? Elle est mignonne, cette prof. Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquième années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Ok. Psst, psst. Moi. Qu'est-ce que t'as, Poppy? Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais quand même pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un. Oula. Dans la forêt. Tu m'intéresses. On y va. D'accord. De toute façon, c'est bon, après les araignées... Après les araignées, il ne peut pas y avoir pire. Mais attends, parce que... Je voulais garder ce lieu secret. Je veux nourrir le dodo, moi. Première personne que j'amène. Vraiment?
Eh bien, merci, je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Voilà, allez, on s'arrache. Gérald. Ah, il a changé, Gérald de Rive. Pardon. C'est donc ça, être un sorceleur. Tu ne trouves pas ? Poppy, oui. Où est-ce que tu m'en es ? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Bah dans la forêt, elle te l'a dit, où elle t'emmenait. Je suis sûre qu'elle va nous montrer des hippogriffes. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Si c'est pas ça, je serais vraiment déçue, hein. Parce qu'à un moment donné, il y avait des hippogriffes qui s'envolaient de la forêt. Et quelqu'un dit, ah, c'est sur mon Poppy, gna gna. Je sais pas si vous en souvenez, moi je m'en souviens très bien. Voilà. Oui. Il est trop beau. Coucou bébé. Je te présente Elle Céleste. Elle a un nom de merde par contre. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Oui, elle est trop mignonne. Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Allez, fais la révérence. Bonjour. Wesh, bien ou bien? Elle est trop belle. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Trop mignonne. Et ensuite ? Alors ? Qu'as-tu pensé d'Elle Céleste ? Elle pue, tu sais. Je l'ai trouvée fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours ? Ouais, j'ai j'avoue, pu le constater elle est grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Mais on va t'aider, t'inquiète. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais... j'espère qu'on se reparlera bientôt. Mais de fou. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop... Pardon, j'ai un peu pété un câble. Trop bien. Bon, je sais pas pourquoi je suis partie nager, moi, tout va bien.
Et ce soir, Ruru va commencer le jeu. J'ai trop hâte de le voir jouer. On va voir s'il rush ou s'il avance Pépouze. Tu feras toujours partie des amis et alliés fidèles des Pince Medley. D'accord. Bon, bref. Allez, allô Mora. C'est pas trop tôt. Allô Mora. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Madame, vous vous vantez beaucoup. Voilà, je tenais à le dire. Il suffit. Salut beau gosse. Rebonjour monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Bah on verra ce soir Missou. Concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préaulard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préaulard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Oui. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Oui. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préaulard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préaulard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme. Ouf. Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Hey. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. Oui. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préaulard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous, c'est vous ça, avez Miss. Vu qu'elles m'affectaient tout particulièrement. C'est exactement ce que je suis en train de penser. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée.
Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. Et pour le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets. C'est incroyable, et ce jeu. Dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Mais tu m'as pas appris. Ah, voilà. C'est incroyable ce jeu. Que ce soit le concierge, les profs, les élèves, tout le monde te pousse à la faute. Incroyable. Allô, Mora. Maintenant qu'on a ce putain de sort. Ok, on a juste... Ah, c'est cool, ça. Allô, Mora. Oh putain, elle va le répéter. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Faire quoi? Pas compris. Utiliser AE et QD. AE, QD. Et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondent. Ok. Ça a l'air méga chiant, comment je suis censée savoir? Ok. Compris, mais on a réussi. C'est ouvert. Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Ouais, ouais. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Ouais, ouais. Allô, Mora. Alors, attends, on va réessayer. En gros. Il faut que je fasse tourner le verre jusqu'à ce que... Voilà. Et ensuite que je mette le rouge en face. Non. Ok. Bon, j'ai à peu près compris. En gros, il faut que le vert fasse briller l'autre truc. Et bref. Je lis pas les lettres, hein. Je suis navrée. Tout le monde nous pousse à la faute dans cette putain d'école, c'est incroyable. Oh, blaireau! Ces appartements de figues. Et on lui vole son argent. Ah, niveau 2. Je sais pas comment on pourra augmenter notre sort. Oh! Il y a une clé dans le coin. Intéressant.
Elle est là-haut. Je peux pas le pétrifier là? C'est nul. Bon, en attendant, la petite clé a dû aller en bas. Hop. Parfait. Oups. Ok. Allô, Mora. Père discret, hein. Décevant, je dois dire. Vraiment ? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre l'aconite et l'asphodel. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Ah, vous dites cela chaque année, Mathilda. Oups. Ça va être chaud pour eux, là. Comment je peux... Où est-ce que je peux les attirer, surtout? Vraiment? Nous formons une génération... Il fallait juste que je m'enfuis comme une lâche. Ah, du coup, je les entends plus, c'est nul. Je me trompe de toutes les touches, c'est bien.
pas préfet si je n'appliquais pas les règles. Putain. Gna gna gna, je suis préfet, gna gna gna. Pute. Mais je peux pas le stupéfixe, lui. Putain, faut tout refaire en plus. Ah, ils sont partis du coup, les deux. Ouf, niveau 3. C'est chaud. C'est chaud. Ah merde. Ok, lui il est là. Ce doit être la salle de bain des préfets. Juste sous son nez. J'espère qu'il y a personne qui est en train de prendre sa douche. Ce serait gênant. Ah mais si, il y a du monde. Allô, Mora. Bah super. Et pourquoi moi je suis pas préfète? Ça va, Fleury? Ouais. Ouais. Quoi? Oui. Moi aussi je suis préfète, imbécile. Tu l'auras voulu. Moins 50 points pour ta maison. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Révélio.
Ah merde, je l'avais pas vu. Putain, la connasse de serre d'aigle. Bon, c'est pas grave, au moins on a eu une statue sur deux. À moins qu'il faille tout refaire. Non, c'est bon. Non mais Gérard, oh là 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 là. Je suppose que je devrais me remettre au travail. J'imagine que le professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement difficiles. Je voulais parier quelques galions sur Pouf Souffle cette saison. Mais vous me faites chier. Je vois pas comment je peux faire, hein. Ils sont tous en stack là. On dirait les... Comment ça s'appelle? Les roommates, les crewmates dans Among Us quand t'es l'imposteur et qui sont tous package là. Franchement. Comment je peux faire? Je voulais parier quelques galions sur Pouf Souffle cette saison. Pas d'aigle.
Pas cette année, en tout cas. J'ai moi-même un faible pour vous. Oh ! Comment ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un sport très honorable. Il représente ce qui compose la condition humaine. Eh bien, tout le travail d'équipe et le fait de voler et puis le vif d'or, ça ressemble beaucoup à la vie, non ? Oh, je devrais faire plus attention au prochain match. S'il y en a un. Vous devriez, oui. J'aime le danger. Rébellion. Ah. Voilà. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. En même temps, le mec s'appelle Carpet. Cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. D'accord. C'est vrai que c'est intrigant. J'aimerais vous aider. Mais j'espère qu'il n'y en a pas 60 000 à collectionner. Votre vigilance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. À combien de statues il y a ? Ça, c'est une bonne question. Combien de statues faut-il trouver ? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Super ! Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Hey. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Bon. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuer afin que nous résolvions ce mystère. Oh, un chat. Oui. J'ai aucune idée de combien il y en a.
Ok, pour le moment, 9. Réveillon. Là, c'est chez les Griffons d'Or, on peut pas y aller. Il a dit qu'il y en avait après au large, je crois, mais je suis pas sûre. Oui, je te l'ai dit, tu es très intelligent. On va aller voir Vitef après au lard. C'est un petit peu plus petit que Poudlard. Qu'il existe plus accueillant que Préolard. Réveillon. Non, oh, on va pouvoir ouvrir les serrures. Ah bah non. J'y ai trop cru. Ah, celle-là on Allô, peut. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi. Révelio. Quoi, l'autre quête principale que j'ai à faire? Ah bah c'est aller ok. Bon, pendant qu'on est là, on va aller la faire et je chercherai les trucs de mon côté. On va d'abord aller vendre des trucs. Vous êtes de retour. C'est un plaisir de vous revoir. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Oui. Allez, on va aller voir la meuf là. Et on finira cette Bonjour, quête et... ravi de vous voir. Et on s'arrêtera Bonjour, là. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rookwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona. Et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lord Gok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les trois balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui.
Je ne l'avais pas vu depuis des années, lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrok et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui à propos de Ranrok. Où pourrais-je le trouver ? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrok collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrok pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils. Mais faites attention. Je vous en prie. Ouais, je fais attention, ouais. Ah, mais attends. Du coup, est-ce que la boutique... Est-ce que l'animalerie... Est... J'allais encore dire la boutique d'animalerie. Est-ce que la... L'animalerie est ouverte? Bonjour. Rebonjour. Contente de te voir en dehors du château. C'est réciproque, Amit. Qui est Amit? Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverai ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrok. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qui le recherche. C'est bien moi, et j'ai besoin de savoir ce que Ranrok et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Sirona vous fait confiance... Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause, de faire en sorte que Ranrok me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Super. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrok et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrok, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous, que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prête. Ça pue du cul! Je crois que je vais pouvoir lancer un enchantement de... M'en veuillez pas, il y avait un chat et je ne l'ai pas caressé. Je sais, c'est mal. Oh non, c'est encore verrouillé, fait chier. Bon, bah, si on recroise le chat, je le caresserai. Mais je crois que j'ai pas pris le même chemin. Ah.
Je suis prête. Bien. Merci, Missou. Elle dort et elle mange quand? Bah jamais. C'est un héros. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtcott. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Mmh. Il y a un truc de Merlin là. Va nous faire chier le chien là. Bon, il est où ton tombeau là? On n'a pas que ça à foutre, hein. Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Oh, cet endroit fait froid dans le dos, non? Qu'est-ce que vous mijotez? Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Il semblerait que Ranrok et Rokud se soient associés. Vous savez pourquoi? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. Allez, on tout y va. Tout est clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je sais pas si on peut lui faire je vais confiance, rester allez. Ici à attendre votre retour. Mais bon. Verrouillé. Lumos. Réveillon. Des papillons? Étrange. Barbe de Merlin. Quoi? Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Lumos. Réparo.
Peut-être qu'un sort permettrait d'ouvrir cette porte. Action ! Voilà. Lumos. Oh, j'ai l'impression que je ne suis pas seule ici. Ah, génial. Lumos. Incendio. On le touche. Oh. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Lumos. Ok. Non, Os qui s'est pas levé, c'est pas grave. Je dois attirer cette plateforme vers moi. Mais comment faire ? Action !
Qu'est-ce qui pend ? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Je vais descendre. Je n'ai pas le choix. Action. Bah attends avant de descendre se suicider là. Là, on sort. Lumos. Mais ça repousse comme des champignons ou quoi ? Putain, il y en a combien ? Mais ils reviennent en boucle. Mon frère, comment ça va ? Lumos.
Il est super. Mais grimpe! Mais pourquoi elle grimpe pas? Ça me semble encore plus complexe. Ok. Sauf que maintenant j'ai perdu le popoyon. Lumos. Ta grand-mère. Main. Mais ouais, mais il est déjà reparti là-bas. J'en sais faire comment, moi? Typiquement le genre d'énigme qui me casse les couilles. Ceci devrait faire monter la plateforme. C'est oui, bah on sait, merci. Putain, ça fait monter la plateforme, mais elle reste pas en place ta plateforme. Ah, mais il y a un papillon là. Je suis con. Lumos. Eh oui, mais il en faut un autre. Il en faut un autre et l'autre, il est à l'autre bout là. Je me suis trompée. C'était le papillon là-bas qu'il fallait mettre ici. Mais du coup, je suis bloquée. Je peux rien faire là. Je dois amener les papillons jusqu'à la porte. Oui, 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 on sait. Lumos. Ok. Retourne sur ton socle. Ok, heureusement qu'on peut faire ça. I am trop forte. Bon, par contre, ce tombeau, il est encore long là, parce que bon, on n'a pas que ça à foutre. Hein. La sépulture de la sorcière. Lodgok a dit que le home se trouvait dans son sarcophage. Surtout, y avoir un énorme zombie qui va en sortir et nous essayer de nous niquer, ouais. Confringo.
un serpent cendre mort. Je dois montrer ça à Lodgok. Il doit y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. Encore ? Ras-le-cul des mécanismes. Ah mais c'est bon, on l'a ? Ok, d'accord. On va dire, ah bah en fait, il y avait pas le truc. Révélio. Bon bah... Allons-y, hein. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, mais juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. Ben voyons. Un campement entier de voleurs à la botte de Rockwood. Je vais peut-être avoir besoin d'aide. Malheureusement, le temps manque. Ben, vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Bon. Les voilà. Stop. Les serpents. Tu as commis une grossière erreur. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je te préviens, je ne me laisse pas. Tu vas me regretter. Je vous donnerai la vie. C'est presque. Tu veux finir ce qu'on a commencé? Tu es de retour? Ah, tu n'as pas beaucoup de chichotes. Putain, je me trompe de touche. C'est ton premier duel. Un éclair. Où est passée ma baguette? Ce n'est rien. Expulso! Tu croyais pouvoir. Quel autre? Expulso! Tu devrais abandonner. Expulso! Expulso! Ce n'est. C'est tout ce que tu as? La mort! Expulso! Je peux t'exister! Je l'ai jamais compris, Go! Où est ta croix? Regarde un autre ciel! Je n'ai rien sans. Qu'est-ce que tu fais? Expulso! Arrête! On est 4 ans! Allez, il va arrêter de me faire chier. Et vous aussi, là. Maintenant, tu es bloqué, crétin. Non, mais oh. Que j'ai vaincu un serpent cendre sans aucune aide. Oh, c'est incroyable de nous casser les couilles autant, là. Révélio.
Bah, il est où le home? Réveillon. Non mais sérieusement, il est où le machin là? Ah, il est un peu plus loin, ok. Allez. Bah. Non, c'est pas ça. Ah, il y a un énorme coffre et je le vois pas, moi. Voilà. C'est bon. Oh, oh. Ça, c'est pour Rockwood. Ça ne facilite pas trop la tâche. Allez, ferme ta gueule. Un serpent cendre, rien que ça. Je peux être tranquille maintenant, c'est bon? Arrêtez de me faire chier. Bon. Zut alors, hein. Non mais on est où là? Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Bon, l'atterrissage, c'est pas encore ça, hein. J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Oui. Ces gravures, intérêt de me la mettre à l'envers, superbes toi. Courbes. Ah, il est remarquable. Bah, calme-toi, c'est un casque, hein, y a pas de quoi. Il est chelou ce mec, hein. Il est magnifique. Allez, je vais aller dans son sens là. Vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Mais nous, est-ce qu'on a bien fait de vous faire confiance? Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. Oui. Attends. Quête principale, 8 sur 7. Enfin, 7 sur 8. Non, mais on n'est pas déjà à la fin, quand même. Ah non, hein. Ah, c'est hors de question. Ça craint si on est déjà... Non. Je refuse d'y croire. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a plein de quêtes secondaires, bonjour. Mais bon... J'aimerais que vous passiez aux trois balais quand vous aurez un moment. Ouais, bah plus tard, je viens de rentrer, là. Les quêtes éclatées, va chercher les trucs de machin, c'est pas des quêtes pour moi, hein. Putain, il me manque une pièce, quoi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai.
Ah, Sébastien. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Bah écoute, c'est le meilleur qu'on ait, donc ouais. Plutôt. Maintenant que vous avez assisté au cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Bah, c'est un RPG, Braze, hein. Oui, c'est normal. Non, mais sur sa sœur, c'est un loup-garou. Bon, bref. Chic. Bon, en tous les cas, je vais sauvegarder. Et puis, je vais arrêter là. Merci d'avoir regardé. Et non, ce soir... Quoi, tu commences ? Je commence dans une heure. Ah. Et Ruru commence son live à 20h, si ça vous intéresse. Donc voilà. Et ben, gros bisous tout le monde. Et puis, salut !